Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Dead Rising 4. Nous en sommes à l'épisode 9, j'ai laissé le sapin de Noël derrière comme vous pouvez le voir parce que ça marque encore l'esprit de Noël bien évidemment. Nous sommes toujours dans cette période festive et j'espère que vous avez passé un très très bon réveillon. J'espère que vous vous êtes dévastés, que vous avez tartiné votre corps de foie gras comme jamais, que tu t'es mis des blinis et du saumon en guise de chausson. Voilà, j'espère que tu t'es défouraillé le bide comme il faut. J'espère aussi que vous avez passé bien évidemment une bonne journée de Noël. Oubliez pas une chose néanmoins, hein, c'est que la richesse la plus importante, ça reste la richesse du cœur, à savoir la santé et la famille, et bien évidemment la famille en bonne santé. Si vous avez tout ça, croyez-moi que vous avez eu le plus beau cadeau. Le reste, ce n'est que futilité. Par contre, si vous avez eu des beaux cadeaux, mettez-les en commentaire. Ça m'intéresse de savoir ce que vous avez eu. Je suis un petit peu une petite commère. Voilà, j'aime bien voir un petit peu ce que vous avez eu. Ça peut donner des idées pour l'année prochaine. Et ça peut bien évidemment m'occuper, hein, une bonne soirée. Donc, dites en commentaire ce que vous avez eu. Si vous n'avez rien eu, eh ben envoyez de l'amour en commentaire. Et on vous en enverra, bien évidemment, en retour. Si quelqu'un met un commentaire qui dit qu'il a besoin d'amour, répondez-lui, renvoyez-lui de l'amour, s'il vous plaît, d'accord? Des petits cœurs, voilà, des petits pouces bleus sur son commentaire, parce que c'est l'amour, tout simplement. On privilégie, l'amour ce soir. On est parti, les gars, hop, je mets des petits coups de pied dans le vide. Eh, c'est la reprise, ça arrive tout doucement. Donc, je dois me remettre mes points d'habilité. Ça, c'est quand même plutôt chiant, n'est-ce pas? Et c'est pas tout. Alors, attendez, déjà, on va essayer de trouver... Ah oui, d'accord, donc c'est plus la carte. Maintenant, c'est les infos que ça m'ouvre. On va essayer de trouver notre objectif. Ah, il est toujours là-haut. Mince, je l'avais fait lors du précédent épisode, ça n'a rien sauvegardé. RT6 est triste. Pour ma part, écoutez, j'ai passé un réveillon excellent. J'ai passé un jour de Noël excellent et j'espère vraiment du fond du cœur que vous aussi. Et comme j'avais dit dans l'année, Planet Coaster, si votre année 2016 n'a pas été fabuleuse, la mienne n'était pas folle pour être honnête avec vous. On espère que l'année 2017 sera bien mieux. En tout cas, moi j'y crois. Moi j'y crois parce qu'il faut que ça bouge les gars. Il faut que cette année 2017 soit bien mieux pour tout le monde. Parce que bah, ça nous ferait plaisir. C'est vrai qu'hein, les gars, ces dernières années, c'était pas hyper folichon. Bref, j'ai pris une dépanneuse. Ça peut dépanner, les gars. On continue, on suit la route pour aller à notre objectif. Bonne nouvelle, Franck. Vas-y, dis-moi tout. On a un plan pour vous faire entrer dans la base et faire réfléchir un peu Fontana. Super. Qui c'est? Le commandant Fontana, l'ordure chargée de toute l'opération Obscuris. Ah ouais, une blonde dure à cuire. Je l'ai déjà vue. Ouais, ouais. Prévenez-moi quand vous aurez nettoyé la salle de billard. Ok, donc on doit aller nettoyer la salle de billard. Alors, fallait que je me remette les points. Ça, c'est chiant. Fallait que je me remette les points de d'habilité. Hein, on va appeler ça comme ça, parce que ça s'appelle comme ça, me semble-t-il. Je m'étais mis ça dans résistance, non? Yes! Je m'étais augmenté la vie, déjà. Plus 75. Ok, je prends ma petite gueule, parce que crois-moi que la vie, c'est quand même le petit feu. Hop, voilà. Alors, forcément, je vous l'avais dit, hein, tout ce qui est résistance, on met à fond les ballons. Tir, j'avais augmenté aussi... je crois que je m'étais mis ça là, me semble-t-il. J'avais augmenté, j'avais mis ça là aussi. Et il me reste plus de points. Il me reste plus de points. On s'est vite... Hop, on s'est vite remis à jour. Ça, c'est plutôt cool. Ok, on tabasse tout ça. Mais attends, je suis bien dans la bonne... J'ai l'air dans la bonne direction, là. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Il me semble que je suis dans la bonne direction. Il y a des problèmes au paradis. Ah, très bien. Amond a besoin de moi pour un push contre Tom. Ah, le véhicule qui revient tout droit, ça fait plaisir. Bref, les gars, moi, je vous le dis très honnêtement. Parce que je vous aime. Parce que vous m'aimez, parce qu'on s'aime, au final. Et l'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est de l'amour. L'amour, c'est des cœurs. Oh! Putain, triple esquive latérale. Encore une fois, je tiens à vous remercier pour l'épisode 8 qui a été énormément accueilli de votre part. C'est-à-dire plus de 9000 likes. C'est incroyable venant de votre part. Quoi? Oh, c'est quoi ça? Allez, ça dégage. Voilà. Je sais pas ce que c'était, mais il avait l'air pas chez le bordel. Ok, on va libérer. Ah non, c'est pas libéré, non. Ah, c'est cassé. C'est cassé, c'est chiant. Ok, on va passer là-dessus. Bougez pas, je vais le casser à ma façon. J'ai plus de balles de rien, ça c'est terrible. Ok, on va y aller doucement. Parce que les balles, ça se compte, mon petit pote. Bon, équipement d'obscurise détruit. On va se refaire un petit peu en lance-roquette, en soin, en tout ce qu'il faut. Dégagez les mecs, s'il vous plaît. Vous êtes super chiants. Voilà, merci.
Ok, je comprends, coupe de soin. On fouille tout ça, ça peut être intéressant. Ok. Il y avait rien, c'est incroyable. Et là, nous avons un lance-roquette, je prends. Des grenades, je prends. Un pistolet, je prends. Hop! Oh! Quoi? C'est quoi cette patate intersidérale? Ça l'a broyé en deux, le bordel. Ok, il y a un plan juste à côté. Tiens, j'ai pas mis la dépanneuse ici. C'est quoi ces conneries? On va chercher le plan. Découvrez 50 lieux à Willamette. Ah, déjà? Pas mal, ça. Ok, il y a un plan quelque part ici. Les apôtres me disent qu'il y a une mystérieuse secte en ville qui prétend recueillir les survivants. Ok, ça me paraît plutôt logique. Je veux pas savoir ce qu'ils en font vraiment. Veille l'enquête, mais fais attention. Ok, battez les maniaques. Alors, il y a une grande clé et un masque de soudure. Il est où le maniaque? Nous sommes les Animaniacs. Alors, voilà, ça dégage. Ça, c'est beau, ça. Je les ai tous arrachés, comme il fallait. Le maniaque, il est où? On va essayer de voir s'il est pas trop loin. Oh, mais il est juste à côté, c'est incroyable. Allez, on va commencer cet épisode avec un maniaque et on continue notre affaire. Alors, je lis tous vos commentaires. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre un petit peu vos cadeaux de Noël en commentaire. Je lis tous vos commentaires. Il y en a beaucoup qui ont dit que ce Dead Rising était plus simple. Enfin, faire attention. Était pour vous plus simple que les anciens Dead Rising. Je suis d'accord avec vous. Enfin, que Dead Rising 1, plus précisément. C'est celui qui se rapproche le plus de Dead Rising 1. Je suis d'accord avec vous. Je le trouve aussi plus simple. Mais c'est pas mal. On n'est pas là pour se prendre la tête. Ils ont des masques de The Mask, d'ailleurs. Des masques verts, des masques dégueulasses. Là, ça dégage. Hop. Oh bah, hé. Oh bah ouais, 4, 5, 6 coups d'épée, on en parle plus, bordel. Regardez, il peut plus bouger. Il est manipulé. Il a le trou de balle enflé. Ok. C'est un vrai asile de fou. Attends, où il a mis. Attends, toi tu fermes ta gueule là parce que. Je sais que t'aimes manger à tous les ratons, mais fais gaffe. Bordel. Les gens prennent vraiment tout et n'importe quoi. Et ben voilà. Maniaque vaincu, c'est plutôt propre. On s'est. Oui, on s'en est débarrassé plutôt facilement. Alors, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Je suppose qu'on peut. Par contre, par où faut passer? Attention. Peut-être par là. Je doute. Ah, si, c'était aussi loin. Très bien. Oh, il y a des parapluies. C'est incroyable. Il y a des revolvers. Ah, peut-être un petit revolver à l'ancienne. Nous avons un canon à t-shirt. Alors, il y avait quelque chose à faire avec le canon à t-shirt. Vous savez quoi? On va le prendre, c'est pas trop. Alors, ça fait pas mal, un canon à t-shirt. Je connais bien, j'en ai un à la maison. Bah d'ailleurs, je m'habille grâce à un canon à t-shirt. Oh! Allez. Et ouais! Ça, c'est swag! Ça, c'est swag! Alors, on avait dit qu'on changeait un minimum de fringues à chaque épisode. Je crois que l'épisode précédent, j'ai pas pu. J'ai eu des empêchements, c'était terrible, les gars. C'était terrible. Donc, on va se rattraper. Le plan est par là. Alors, je pense qu'il est carrément en bas. Là, il n'y a rien d'intéressant. Il doit être... Ouais, voilà, il est en bas. Ouais, c'est mon petit côté un petit peu architecte qui a parlé sur le coup. C'est vrai que j'ai... Oh! Un vomi. Cool! Devrait y arriver. Jurassique. Une tête de T-Rex. Il me faut une tête de T-Rex, les mecs. Alors, déjà, on prend le téléphone portable. Toujours utile. Là, je fais une collection de portables, les mecs, depuis le début de l'épisode. C'est terrible. Une tête de T-Rex, pardon, on l'a. Je vais le prendre. Avec quoi? C'était avec quoi? Je m'en souviens plus. Une tête de T-Rex avec un truc, ça doit être de l'acide, non? Attendez, bougez pas. Bougez pas, on va tout de suite analyser ça. Ça demande une analyse par nos experts. Et nos experts sont 100% unanimes. Ce n'est pas ici. Ce n'est toujours pas ici. Les experts se sont... Voilà! Quoi? Attendez. Ah, c'est bon. Les experts sont... Ok, produits chimiques. D'accord. Évidemment, c'est le seul truc que je n'ai pas... Ah, je ne sais pas pourquoi. C'est le seul truc que j'ai pas, je crois. Ok, il va me falloir... Ah bah si, produit chimique, on est bon. Et ben voilà. On a la tête de T-Rex. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce qu'il faut le mettre à un zombie? Est-ce qu'il faut le mettre soi-même? C'est bon. J'ai ma réponse, nickel. J'ai ma petite baguette magique. Sympa. Ok, j'ai tout ce qu'il faut. On va garder la baguette magique, parce que la baguette magique, c'est que de l'amour. On est encore dans la magie de Noël, bordel, je vous l'ai déjà dit. Oh là, c'est quoi ça? C'est Megagore. C'est méga gore. Ok, on peut continuer les potes. Direction, notre objectif, la salle de billard. On va tous les changer en cadeau. Ça, c'est mon cadeau pour vous, les mecs. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas été suffisamment gâtés. Je me fais enculer, là. Je sais pas ce qui se passe. C'est un plaisir, en tout cas. Je me fais enculer comme jamais. Pour tous ceux qui n'ont pas été gâtés, je vais vous offrir tout un tas de cadeaux. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti. Du pain d'épices. Des cadeaux. Des peluches.
des rhinocéros, je ne sais pas quoi, des sucres d'orge. Voilà, ça c'est mon cadeau pour vous. Hop, ça vous plaît? Il y en a beaucoup, il y en a pour tout le monde. Oh quoi? Attends, lâche-moi. Frère! Ah! C'est rien. Ok, c'est bon. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, on va garder. Vous savez quoi, on va utiliser ceci. Voilà, parce que ça, ça met de sacrées patates. On peut dire que, les gars, ça c'est de la chirurgie de précision. Si t'as un problème dentaire, tu passes à la maison, mec. On va s'en occuper avec les sauces. Voilà, très bien. Ah, des zombies, proche du coin. Hop, ça dégage. Ok. Ah quoi? Oh, je vous crache à la gueule. Bande de bâtards. J'ai toujours l'épée de feu, ça c'est aussi le petit feu, hein, littéralement. Ah, qu'est-ce qu'on rigole ce soir? Allez, on dégage tout ça. Non, mais attendez, les gars, c'est une salle de bar, elle est blindée. Voilà. Hop, petite esquive alors qu'il n'y avait rien. On sait jamais, on prévient du danger. Hop. Ça c'est classe. Ça c'est classe. Ça fait un petit peu attaque Final Fantasy, mes couilles au bord de l'eau, ça c'est un tatami. Oh! Quoi? Ça c'est pas classe. Quoi? Quoi? Dégage! Quoi? Quoi? Terrible! C'est des néos! Je vous l'ai déjà dit, il y a une différence entre suivre le chemin et arpenter le chemin. Je prends. Renard de maison. C'est toujours cool. Quoi? Allez, dégage. Allez, dégage. Oh putain, par contre, tu te déplaces super vite, mon petit salopard. Faut mourir, monsieur! Vache! Ah ouais, mais eux, ils sont méga solides! Ils sont là. C'était un plaisir. La salle de billard est débarrassée des zombies. Super. On va commencer à y emmener des gens. Je vous retrouve devant la base. Ok. Ce système de marchandage post-apocalyptique commence à me plaire. Ok, c'est plutôt cool. On a des amplis. Oula, oula, c'est la scène à Fufu, ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a carrément du métal et tout diffusé. Alors là, Fufu, il s'éclaterait. Hein. Je le connais. Je le connais, le petit. Allez à la base militaire. Et ben, on va y aller de ce pas. On va essayer de récupérer 2-3 plans au passage. On peut jouer là sur les bandes d'arcade? Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Ah, d'accord. Faut l'exosquelette. J'ai cru pendant un moment qu'ils avaient mis la possibilité de jouer. Oh la vache! Alors ça, je connais bien. Ça, je connais bien. C'est un fusil à pompe de calibre 22. C'est Winchester qui a fait ça. Ah bah, je connais bien, les gars. Hein. Moi, on me l'a fait pas à l'envers. Hop, petit saut. Histoire de dire que je sais où est la porte. On va prendre la Cadillac. Il n'est pas du tout une Cadillac. Ouais, je fais la... Une Mustang! Ouais, une voiture ricaine, hein, de type américaine. Ok, c'est parti, les potes. Direction derrière. On va aller récupérer le plan ici. Événement proche. Double événement proche, qu'est-ce qui se passe? Hop! Voilà, ça c'est pour le spectacle. Ah les gars, c'est Noël, je vous fais des cadeaux à tout moment. Ok. Ok. Il est où? Il est là. C'est quoi ça? Casse d'eau. Ça m'intéresse. Un joueur de tambour. Je peux. Non, 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 non! Hop, ça c'est un canon à mes couilles. Et tu sais quoi, je le fais quand même. Ça, ça va remplacer le lance-t-shirt, il me semble. Voilà. Oh shit, Daniel! Énorme! Je garde! Je garde! Sois gay! Sois gay comme jamais! Par contre, bah, j'ai niqué au final notre petit bonhomme, ça c'est terrible. Ok, on va ouvrir ça. Putain, mais il y a des musiques funéralistes partout là, ça me casse les oreilles. J'aime bien, mais pas trop quand même. J'ai des limites à mon ouïe. Hop! Je sais. Quoi? Quoi? Oh putain, j'ai tellement peur. Oh, j'ai cru qu'on est. Je voyais ma mort arriver. Je voyais ma terrible mort arriver. Ok. On se casse. On va faire les événements proches, oui, parce que j'ai que ça à foutre. Et parce qu'on est là pour en faire un maximum. On va commencer par celui-ci. Tuer les zombies pour sauver le survivant. Ah, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Hop. Désolé si je te mets des petits coups d'épée. On s'en fout. Ils sont trop nombreux. Ils sont des millions. Allez, ça dégage. Ah, elle a raison. Oh, quoi? Lâche-moi. C'est mon bonnet qui les attire comme ça ou quoi, là? Voilà, ça dégage. Hop. Par contre, attention, tu vas te faire arracher, là. Ah, d'accord. Ah, ça c'est chiant quand on tape, ouais. C'est bon? Oh, mais genre lui, arrête! Oh, y a un Snoop Dogg! Hop, je prends. Eh, les gars, ça fait ça des aussi, points. Je la mets de côté. Ok. C'est bon? Merci, bah voilà. Du coup de main. Hop, je t'ai offert un pain d'épices en plus, ma soeur. Régale-toi. Régale tes petites papilles gustatives. Ok, ça, c'est fait. Ouvre-moi! Je veux bien rentrer là-dedans aussi. Il y a un plan, paraît-il. Oh, elle trop bien. Ok. Merci du coup de main. Mais de rien bébé. On a une guitare électrique, ça va être un plan funéralesque. C'est moi qui vous le dis. Ça va être un plan funéralesque et je ne sais pas du tout
Il est en bas. Oh là les gars. Oh, c'est pas Charlie ça. Hein. Il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs pas très. Tu vois. Mais je vois pas où est le plan là par contre. M'aurait-on menti? Ok, je suppose sur scène. Non. Mais, y a pas... mais attendez les gars. Ouais d'accord. J'ai pris un coup, je ne sais ce que c'est. Ok. Peut-être en haut. Ok, on va aller en haut les gars. Je sais pas ce que j'ai pris. Vous savez, des fois je prends un grain de poussière dans l'œil. Ça m'arrache quelques HP. Eh, hey, si je peux régaler. Je régale. Yo frérot, il y a des cocktails ici. Hop, voilà, moi je casse tout. Hein. Je casse tout, sauf la tête du mec. Ok. Hop, on va se soigner. Alors là, c'est chiant. Il est où le plan, messieurs? S'il vous plaît. Il est où le putain de plan? Ah putain, ouais. Non, c'est pas là-haut. Ouais. Attendez. Ok, il est dans cette direction. Il est dans cette direction. Bon. Est-ce qu'il serait pas là par hasard? Alors, quand tu trouves pas ce que tu cherches, c'est super chiant. Il est où ce putain de plan? Les frères! Sur le toit, vous croyez? Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai voulu mettre un petit suspense. Ok, il n'y a pas de plan. Impeccable, en tout cas. Hop, et du casier, nickel. Et il est où ce putain de casier? Il est en face. Il est en face, et là, il n'y a pas de plan. Vous me chiez à la gueule, les gars. Vraiment, hein. C'est pas grave, je me casse, ça va saouler. Nickel, ok. On va essayer d'aller ouvrir le casier qui est de l'autre côté. Attends, il est vraiment dans... J'ai l'impression qu'on peut rentrer partout, par contre, ça, c'est très agréable. Enfin, dans presque tous les bâtiments. C'est moi. Voilà, on est bon. Ok, c'est là-dedans. Et c'est pas ça. Je sais pas ce qu'on va... On va pas y trouver un plan, ça, c'est sûr. Yo. Ah, d'accord, il y avait une autre entrée ici. Yo. Et yo. Voilà. C'est un plaisir hein, de faire... Ok, c'est là. Nickel, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un pistolet. Ok, je vais prendre... Une pluie de clous. Ok, on a une pluie de clous. Oh, ça a l'air terrible. Oh, ça va me plaire. Je sais que ça va me plaire. Bon, on est parti pour notre objectif. Parce qu'on traîne dans le ghetto, les gars, mais mine de rien... On perd notre temps, je vais prendre mon meilleur... Ah non, d'accord, je pensais que je dois le prendre. Une petite part de déception de ce côté-là. J'allais dire, je vais prendre mon meilleur véhicule, mais non. Ok, il y a un plan là-dedans aussi. Et vous savez quoi, on ira plus tard. Là, c'est bon, on a fait notre période de recherche, les gars. Au bout d'un moment, ça va à la comédie. Ça, je peux la prendre, cette voiture, je peux la prendre. Hop, petit SUV de type familial. Quand même, tu sais la famille. Okay, c'est par où? C'est par là. Point de sauvegarde, ça fait toujours plaisir. Ok, poussez-vous, poussez-moi, poussez-vous, voilà. Ça dégage, on est niveau 40, je pense qu'on a déverrouillé de nouvelles choses dans l'arbre de compétences. Ça, c'est cool. Ok, parlez à Amond. Il est là. Quoi, mais qu'est-ce que tu fais là, Amond? On va se mettre nos points, au moins. C'est fait, j'ai dit que j'attendais les 4, mais vous savez quoi? Noël est passé, maintenant on passe à 3. On passe à 3, on est des régaleurs. On est des régaleurs et on adore régaler, c'est normal. Qu'est-ce qu'on a? Augmente l'endurance, ok. Réduit les dégâts subis en cas d'explosion, ok. Augmente les points de vie à la nourriture, ça. Un impératif. La vie se régénère maintenant à un niveau encore plus élevé. Un impératif, je suis désolé les gars, mais c'est logique. C'est logique que ce soit impératif, n'est-ce pas? On va mettre ça là, ça me paraît pas mal. Voilà. Ok, on va parler à Hammond. Voilà. Hammond, prenez ce paquet et mettons-nous au travail. Et parle-moi mieux. C'est un explosif. De type boom. Okay, je vais. Ces couillons ont monté ce mur à la va comme je te pousse. Alors on va le faire sauter. Cherchez un point faible avec votre appareil. Ok. Avec mon appareil. D'accord. J'étais pas du tout dans la bonne zone. C'est un plaisir. Ok. J'ai le point faible. J'ai le point faible, c'est ici. Ça se voit, c'est ficelé. Alors comment quelqu'un a pu ficeler ça, je ne sais pas. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe?
Prouvé. Bien. Posez la charge et éloignez-vous. Est-ce vraiment utile? Écartez-vous, Franck. Vite, restez pas là. Ah putain, la charge était invisible, j'ai eu un petit moment de suspense quand même. Mais on est vraiment protégés. Ah d'accord. Pas très discret, hein. Vous vouliez entrer, non? Eh bien c'est fait. On devrait pas s'occuper de cette alarme? Pas pour l'instant, alors avancez. Je dois d'abord accéder à cette salle de contrôle. Oh la vache! Arrête là, je verrouillerai la porte, alors vous en faites pas pour moi. Énorme! Truc de ouf! Ok, on se casse, je sais pas par où faut passer par là. Voilà, j'ai limité les accès sécurisés d'ici. J'ai ouvert la salle une porte plus loin. Allez voir si vous trouvez quelque chose. Voilà qui verrouille les portes! L'Amérique n'est plus sûre du tout. Ok, remettez l'exosquelette. On va mettre des patates dans la porte ou quoi? Ça me plaît, ça. Un exosquelette. Vous savez que c'est un petit peu mon domaine. Il y a des trousses de heal. J'en ai pas besoin. Je suis beaucoup trop bon pour ça. Ok. Je prends bébé. Est-ce que c'est illimité? Ça a l'air d'être illimité. Ça rigole plus maintenant. Amande, j'ai un exosquelette. Tant mieux pour vous. Détruisez la tour de communication. Ça les empêchera d'appeler des renforts. Rien que ça? Et je suis censé m'y prendre comment, juste? Vous portez un exosquelette. Vous trouverez une solution. Ok, saboter la tour de communication. Oh merde! On va tous les arracher. Allez, ça dégage. Oh! Pardon! Franchement. Oh! C'est rien! Oh! Ça, par contre, ça fait mal. Ça, monsieur, faut pas faire des trucs comme ça. Oh putain, mais. Ah ouais, ils ont tous les exosquelettes, c'est pas très gentil. C'est quoi ça? Encore un exosquelette? Y'a combien d'exosquelettes? Je le prends. C'est le genre de truc qui va à tout le monde. Ok. J'ai 45 exosquelettes l'un sur l'autre. Super. Et ça tient chaud, c'est moi qui vous le dis. On peut continuer. Direction 35 mètres. Ok, d'accord. Oh, qu'est-ce que c'est? Encore un exosquelette? Non. Mais les gars, y'a que ça. Ok. Ça me plaît un peu, ça. Oh, ça me plaît bien, ça. Ça me plaît. Ça débouche les chiottes. C'est moi qui te le dis. Excuse-moi, monsieur. Quoi? Ces gars savent organiser un comité d'accueil. Quoi? Il a une grosse arme. Hop. Oh, bah il est presque mort. Hop, attends. Non! Ah! La douleur est impénétrable! Allez, dégage. Bien joué, Franck. La base est coupée du monde. À présent, il faut neutraliser les tourelles. Quoi? L'ennui, c'est que cette base a plus de portes qu'un circuit équestre. Ça veut dire beaucoup! Quand vous serez passé, détruisez le centre de contrôle des tourelles. Ça devrait vous permettre de souffler. Ok. On est parti. Encore un exosquelette. Terrible. Terrible. On va se soigner. Je sais pas pourquoi ça s'épuise pas, sans doute parce que nous sommes en mission. Ah bah les gars, faut pas être... Oh tiens, je vais prendre celui-ci, il avait l'air mieux. L'autre, j'ai pas trop... J'étais pas fan. Ok, je pense pas qu'il y ait de plan ici. Ah, quoique. Ah si, c'est possible qu'il y ait un plan. C'est possible que la famille régale en plan ici. Hey, c'est pas grave. Réfléchissez vite. Vous avez vu, c'est beaucoup mieux hein, quand il n'y a pas de décalage. Hein, c'est beaucoup mieux, putain. Éclaté. Ok, c'est par où? Allez, dégage. Et là, tu me racontes ta vie, j'en ai rien à foutre. Ok. Petite patate là-dedans. Pas de temps à perdre. Ok, boss. Boss numéro 2, je pense. Encore? Cet endroit est une vraie forteresse. Ok. Putain. Incontrôlable. Un plaisir. Il est fort lui hein. Il est fort. C'est quoi ce coup? Oui, elle a une énorme horde de zombies se dirige vers nous. Oh génial. Quoi? Quoi? Aïe. Ok, c'est bon. Petite glissade. Ah ouais mais ça fait tellement plus mal. Ah la foule. Ok, je sais pas ce qu'il faut faire. Quoi?
dégage. Ok. Voilà, ça c'est stylé ça. Un petit selfie de type B. Bah bon, les gars, il n'y avait pas de zombies, il y avait un gros. Ok, ça c'est stylé. Hop. Allez, dégage, pardon. Là, tu me racontes ta vie. Il en reste un. Pardon. Comment on fait? On peut monter là? Non. Comment on monte là-haut? Je veux monter, messieurs. Oh non, si vous me dites que c'est bugué, je vais faire très mal. Attends. Je crois que je suis obligé de tuer lui. Ah bah d'accord, il est mort. Ok, j'ai eu très très peur. Les gars, si je ne pouvais pas le tuer, on était bloqués. Ah très bien. En tout cas, au niveau esquive, vous êtes plutôt propre. Rien à dire là-dessus. Yo les frérots. Pour muet, Franck. La horde entre par la brèche qu'on a faite avec les explosifs. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Je suis avec vous, Franck. Détruisez ce générateur. Quoi? C'est terrible! En pendant de course à l'armement, ok, meurs. Faut mourir, monsieur. Hop, toi, tu dégages. Quoi? Mourir. Ah, faut partir. Ok, on reprend d'huile. On sait jamais sur un malentendu. Je crois que j'ai munitions. C'est ta munition illimitée quand c'est ça. Et ça, c'est quoi ça? C'est pas mal aussi, ça me plaît. Hein. Ça me plaît tout ça là. Bon, ça, ça dégage. C'est de la petite. C'est de la friture, toutes ces conneries. Ok. Allez, dégagez aussi. On va pas y passer la tournée. Attends, frère. Ok. Vous trouvez vraiment que votre paye vaut ça, les gars? Voilà. Très bien, un plaisir de prendre aussi cher comme ça. Ok. Qui d'autre? Allez, on est bon. Par où on part? Quoi? Ok, sortez par la porte. Oui, forcément. C'est tout de suite plus un. Intéressant. Voilà, oh. La voie est dégagée jusqu'à. Qu'est-ce que c'est? Un problème? Je peux maintenir l'entrée de la base ouverte, ah, Dixie. C'est le même. Imaginez-vous, les zombies vont me bouffer. Tenez bon, je suis plus très loin. Okay. Enfin, je crois. Ok, c'était le même, un plaisir. Bon, ça, on arrache. Hein. Et on va pas commencer à tergiverser, les mecs. Faut mourir. Crache. Hein? Meurs, comme disait Joule. Wesh alors. Meurs. Quoi? Voilà, je peux te faire. Ok, ça c'est bon. Entrez dans le bâtiment, j'ai du temps. J'avais pas pensé à ça. C'est terrible. Allez, dégagez. Voilà. Dégagez tous. Allez. Hop. Ok. J'arrive, ma soeur. Ils sont pas là pour vendre des cookies. Ah mais en plus je suis en train de perdre l'exosquelette, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Faut faire vite, c'est bon. Est-ce qu'il y a un boss là? J'aimerais bien l'utiliser avec mon exosquelette. Ah très bien. Plus d'exosquelette, un plaisir. Attaquer la base, c'est fait. Ça, Amanda. Bonne chance, Franck. Menez la vie dure à Fontana. Ok, je dois mettre la main sur les recherches de Barnaby. Brad a dit qu'elle se trouve dans une pièce sécurisée. Il faut que j'inspecte les lieux. West, j'ai intercepté un autre rapport de Vic. Lis-le. Franck est de retour à Willamette et... surprise! Il a toujours ce stupide air suffisant. Pendant une seconde, j'ai été contente de le voir. Je me suis dit, enfin, ensemble, on va pouvoir faire des progrès. Quand il verra ce que vivent les gens, il... puis on s'en fout. Merde, ce type. Bon, qu'est-ce que tu dirais de mettre un peu la radio en veilleuse? Comme tu voudras. La robustesse reste un facteur. Il supporte la douleur et peut donc travailler plus dur, plus longtemps. Mais ils ne ressentent rien et ne craignent donc pas les blessures. Ils perdent leur monde. Un centre de recherche? Ils utilisent peut-être le travail du défunt docteur Barnaby. C'est une perte d'argent. L'enquête
commence. Ok. On va pouvoir s'attribuer nos points de compétence. Et je pense qu'on va aussi pouvoir s'arrêter par ici. Parce que là, on a bien avancé. Peut-être un petit peu dans survie, ça serait pas mal. Hein. C'est quoi ça? En cassant des objets destructibles pour avoir plus de thunes quand vous construisez un objet combo. Ok. Vous pouvez résister à une prise sans que votre compteur de coups ne soit réinitialisé. On prend. Augmente les chances de porter un coup critique quand la vie du personnage est faible. Sur un malentendu, ça peut sauver la vie. Ok. Hop. Ah, mais il y a un mec devant. Il y a un tel cobaye vivant. Salut, mon petit. D'accord. Alors, c'est sûr, Obscurus adore les mémos. Donc, faut trouver du papier. Un plaisir. Toujours le papier. Ah, je l'ai. Je l'ai. Attendez. Non. Non. Ok, c'est bon. Ah, c'est de plus en plus petit, Le commandant Fontana a passé en revue les progrès du projet Saturne. Pas de destinataire, évidemment, ça serait trop facile. Et c'est pas la dernière fois que je me retrouve derrière les barreaux. Donc je suppose que c'est là. Et voilà. Des zombies qui réfléchissent. Ah, ils faisaient des tests. Bon, ça, on le savait depuis le début. Hein. J'ai fait genre, je découvrais quelque chose, mais non. D'accord. Des zombies qui réfléchissent. Très bien. Donc, laissez-moi réfléchir sur le coup. Pourtant, je suis pas un zombie. C'est ça qu'il faut prendre en photo. Des casse-têtes? Sérieusement? Ils veulent les envoyer à l'université ou quoi? Ouais. Oh non, non, non! Ouais, pénétrer dans le gymnase. Au pire, je sors pas. Hein. Ah! Ça c'est chiant. Ok, yo les gars. Quoi? Allez, dégage. Alors ça, à bout portant mon petit pote. Allez, dégage. Ça à bout portant. Alors pourquoi j'ai réussi à en tuer un du premier coup, mais... C'est quoi ces conneries? Il est plus fort que tout le monde, lui. Ça va, oh? Ouais, je sais. Ta gueule. Okay. Ah oui. Allez, dégage. Oh! Calme-toi, petit. Ok. Oh merde, le superviseur! D'après Brad, tout ce qu'ils ont pris au labo de Barnaby doit se trouver dans une pièce sécurisée qui se trouve... ailleurs. Bon, continuons de chercher. Ok. Trouver la pièce sécurisée. C'est bon, c'est trouvé, on est des machines. Gueule la porte! Ok. Faut pas s'énerver comme ça, monsieur. Faut rester zen. Quoi? Wouah, te lève pas comme ça, ça mon ami. Sent le zombie. Je vais devoir les tuer pour pouvoir fouiller tranquillement. Enfin, les nouveaux sujets sont assez. Ok! Éliminer tous les zombies! Alors ça, c'est chiant, ça, par contre. Parce que eux. Comprennent aussi la gratification différée. Autant que mon bébé, quand même. Avec un peu de chance. On pourrait... Une minute. C'est une alarme? Capitaine, que se passe-t-il? Allô? Ah non, non! Oh putain! Je croyais que ça les tuait! Ça les tue pas en fait! Oh les salauds! C'est trop stylé! Allez, dégage. Allez, dégage aussi. Ok. Bien. Je crois que je les ai tous eus. Alors, où se cache cette pièce sécurisée? La vache! Doit y avoir des milliers de fichiers ici. Bon. Bah vous savez quoi, je pense qu'on va s'arrêter là les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre enquête. On a appris pas mal de choses et on commence à avancer. Ils essayaient donc de dompter les zombies, c'est terrible bien évidemment. Il ne faut pas reproduire ça chez vous. On se retrouve très bientôt pour la suite, je vous fais des bisous et je vous dis portez-vous bien. Ciao ciao.